Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale que je vais vous présenter encore une fois puisque j'ai décidé de revenir sur le phénomène des crop circles, des agroglyphes. Rappelez-vous, j'avais effectué avec Jean-Michel Raoux deux vidéos explicatives sur le phénomène des crop circles, des agroglyphes, où il s'est passé le mois dernier, durant mon séjour au Mexique, plusieurs apparitions de crop circles, donc d'agroglyphes, très mystérieux, qui, je pense, les entités, ou l'entité qui essaye de communiquer, de faire passer des messages à travers ces agroglyphes, ces crop circles, a essayé cette fois-ci de nous avertir de quelque chose et de nous faire comprendre quelque chose et de nous donner une date très précise. Ces deux agroglyphes que je suis en train de vous parler sont les deux que vous voyez en bas d'écran que je suis en train de vous montrer. Et un est apparu le 22 mai dernier 2017 et l'autre le 25 mai. Tiens donc, quelques jours d'écart. Alors je vais vous emmener pour commencer donc sur le premier crop circles, le premier agroglyphe du 22 mai 2017 qui se trouve dans la région de Cernavas, c'est comme ça s'appelle, Cernavas, où, comme vous êtes en train de le constater, ce crop circles est au milieu d'un champ. Et ce crop circles, comme je le disais au début de la vidéo, a toute une signification. Alors, on va y aller point par point, car c'est assez complexe. Alors, je me rapproche un peu de cet agroglyphe géant, et vous allez de suite comprendre pourquoi. Alors, un abonné de ma chaîne m'a contacté sur ma page Facebook pour me donner quelques infos additionnelles que, bien évidemment, je ne m'étais pas penché dessus, et effectivement, quand on commence à chercher, comme je dis toujours, vous vous apercevez de choses assez incroyables. Ce crop circle, cet agroglyphe que vous êtes en train de voir, qui est apparu donc le 22 mai dernier, le 22 mai 2017, représente apparemment l'apparition de la Sainte Vierge de Fatima. Puisque cet agroglyphe est apparu, et je le répète, le 22 mai dernier. Du moins, peut-être le 21 durant la nuit. Je rappelle que ces agroglyphes, malgré que bien sûr beaucoup d'entre vous qui sont sceptiques sur ce phénomène vont expliquer que ce sont un groupe de il existe des groupes de personnes qui se dédicacent à effectuer des faux crop circles, malheureusement, avec tout simplement des planches en bois et des ficelles, et tout en avançant et en aplatissant les herbes, les hautes herbes qui représentent les champs, effectuent des crop circles, bien sûr non géométriques, non symétriques, et où il n'y a aucune fractalité à l'intérieur, mais malheureusement ça existe. Ceci dit, donc ce crop circles est apparu le 22, et peut-être le 21 au soir, ce qui représente 3 jours avant l'ascension. Je rappelle que l'apparition de la Sainte Vierge s'est produit le 13 mai 1917. Le 13 mai 1917. Cependant, quand on commence à prendre ce crop circle, c'est qu'on l'analyse, qu'on commence à le mesurer. Si on prend par exemple l'extérieur du premier cercle de gauche, puis l'intérieur du cercle de gauche, ensuite l'intérieur et l'extérieur du cercle de droite, j'ai mesuré sur une photo, on trouve 33,3333. Tiens donc, le nombre d'or. Oui, le nombre d'or. Si on prend ce 33,3333 et qu'on le divise par 3, suite aux 3 bergers qui ont eu l'apparition de la Sainte Vierge Fatima, on trouve 99,9999. Plus un que l'on peut dénominer par la Vierge centrale au milieu de ces deux cercles, représente 100. 100. Les 100 ans depuis le 13 mai 1917, depuis l'apparition de la Sainte Vierge. Est-ce un hasard?
Ce qui est sûr, c'est que ce Crop Circus, ça a fait parler de lui, et je remercie le site. Alors, il existe un site que vous pouvez voir par vous-même qui s'appelle The Crop Circus Connector. Alors, ce site que vous êtes en train de voir, que je vous montre, est le site de Crop Circus Connector, où tout est répertorié. Hein. Je remercie infiniment toutes les personnes qui travaillent pour ce site, qui utilisent des moyens assez complexes pour prendre des photos, pour déchiffrer et décrypter ces agroglyphes. C'est vraiment un travail de titan. Et bon, ben, si vous êtes intéressé et si vous voulez voir les photos réelles de l'agroglyphe que je viens de vous parler, ou d'autres photos de d'autres agroglyphes de Crop Circus, vous pouvez les retrouver sur ce site, bien entendu. Mais revenons à notre Crop Circus du 22 mai dernier. Ce Crop Circus est, comme je le disais, impressionnant, incroyable, fait passer un message de conception, de changement et d'ascension. Peut-être va-t-on vers une ouverture de l'esprit mondial. Va-t-on vers un éveil de la spiritualité? C'est ce que ce Crop Circus essaye de nous dire. Je remercie Christophe, un abonné de ma chaîne, qui m'a donné ces infos additionnelles et dont je voulais vous en parler. Alors, petite parenthèse, puisque ce Crop Circus, comme vous êtes en train de le voir, a été apparu pas loin de cette représentation qui je tenais à vous le montrer, est assez incroyable et assez mystérieuse. Alors bien sûr, cette représentation s'appelle le géant de Cernabas. Le géant de Cernabas. Ne pensez pas que c'est quelqu'un qui s'est amusé pendant 2 ou 3 jours à le dessiner. Non. Cette représentation que vous êtes en train de voir a plus de 2000 ans. Je crois que les premiers écrits où il est nommé cette représentation de ce personnage rupestre date de mille et quelques années. Ce qui est sûr, c'est que cette représentation a été creusée par une tranchée de 30 cm de long sur 30 cm de large. Comme au Pérou. Tiens donc. Si vous prenez le chandelier de Paracas, a été effectué de la même façon, exactement de la même façon que le personnage que vous êtes en train de voir à l'écran. Est-ce un hasard? Ce qui est sûr, c'est que notre Crop Circus du 22 mai dernier est apparu non loin de ce personnage rupestre. Pourquoi? Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que on dit le Pérou, les géoglyphes de Nazca. Bon, mais en Angleterre, il existe aussi des géoglyphes énormes, incroyables et mystérieux. Pour moi, les entités ou les personnes ou les anciennes civilisations qui ont bâti, qui ont dessiné ou qui ont implanté ces dessins au sol sont les mêmes. C'est-à-dire ceux qui ont dessiné, par exemple, ce personnage rupestre sont les mêmes que ceux qui ont dessiné les géoglyphes de Nazca. Et ça, c'est quelque chose que je vous confirmerai dans d'autres vidéos. Mais restons sur nos Crop Circus. Je vais vous emmener maintenant, toujours au Royaume-Uni, sur l'autre Crop Circus du 25 mai dernier, qui se trouve dans la région de Whitehorse. Et c'est celui que vous êtes en train de voir à l'écran. Alors, quand on regarde ce Crop Circus, cet agroglyphe, on voit de suite qu'il est beaucoup plus complexe que celui qu'on a vu. On pense qu'il essaye de nous faire passer un message, une date. Voyons tout ça ensemble. Tout d'abord, à première vue, si l'on prend la structure de ce géoglyphe, on peut le comparer à une croix celte, à une croix celtique. Ce que les Celtes utilisaient pour les solstices d'été et d'hiver et les équinoxes. Tiens donc, est-ce un hasard? Comme vous pouvez le constater dans la partie du haut,
La partie du haut est, alors, les quatre coins, les quatre sphères, peut être représentée par la planète Terre. Et à son centre, le Soleil. Le centre de cette croix peut être représenté par le Soleil lui-même. Et comme je le disais, sur le haut de ce crop circles, une espèce de couronne à sept demi-cercles est représentée. Elle est représentée de cette façon en éventail. Ce qui est sûr, c'est que on peut constater que ce demi-cercle, cette couronne, peut s'emboîter à quatre reprises dans un même cercle, ce qui représente plus de 28. Si l'on calcule 7 et 4, cela nous donne 28, ce qui est la clé de ce crop circles. Oui, la clé. Puisque si on analyse bien ces 7 demi-cercles, ces 7 demi-cercles, comme vous êtes en train de le voir à l'écran, peuvent représenter les 7 faces cachées de la Lune. Alors, les 7 faces cachées de la Lune peuvent être représentées sur un mois de l'apparition de la face lunaire, ce qui représente, comme je disais tout à l'heure, 7 et 4, 28. Ce qui est sûr, c'est que il est dit que cette face cachée de la Lune va s'étendre, je crois, du 10 juin jusqu'au 23 juin. Je pense que quelque chose va se passer entre donc le 10 et le 23 juin, peut-être le 21 juin, puisque c'est le solstice d'été. Tiens donc, nous verrons bien très prochainement, dans peu de temps, si il va se passer quelque chose le 21 juin 2017, pendant le solstice d'été. Alors, comme je le disais au début de la vidéo, certes, il existe un groupe de personnes, peut-être de gens mal intentionnés, qui effectuent eux-mêmes des crop circles. Ils effectuent avec du matériel très simple, des planches en bois, des cordes et un peu de savoir-faire. Ces gens-là effectuent des crop circles. Mais rien à voir avec ce genre de crop circles que vous êtes en train de voir à l'écran. Ces entités, ou cette entité, ou ces personnes qui essayent de nous faire passer des messages vis-à-vis, via ces crop circles, ces agroglyphes, sont des messages importants que l'on doit prendre en compte et que l'on doit déchiffrer, décoder, ce qui nous donne des dates comme je viens de vous l'expliquer. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il va se passer une catastrophe du 10 au 23 juin ou le 21 juin, qui pour nous, dans mon mystérieux, je pense qu'il va se passer quelque chose, que ce crop circles nous avertit qu'il va se passer quelque chose pendant ces jours de demi-lune, hein, ce sont des jours de demi-lune, peut-être le 21 juin, on verra, mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il va se passer une catastrophe ou quoi que ce soit de dangereux ou pendant cette période. Bien sûr, je ne souhaite rien du tout. Je ne souhaite pas qu'il se passe quelque chose de catastrophique. Ce qui est sûr, c'est que je voulais vous prévenir, puisque ça va se produire très prochainement, si quelque chose se produit, et je trouvais ces deux crop circles vraiment incroyables et intéressants, que je voulais vous faire partager comme d'habitude. Nous verrons bien. Nous verrons bien dans les jours à venir, très prochainement, si cet agroglyphe que vous êtes en train de voir et celui du 22 mai dernier vont nous révéler quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans une prise de conscience de l'éveil. À vous de voir, comme d'habitude, à vous de faire votre propre opinion sur la question. Mais voilà, ces crop circles sont là, comme vous pouvez le constater, ces agroglyphes qui font, comme d'habitude, plus de 200 mètres de diamètre. Et je pense que ces entités nous veulent du bien et veulent nous avertir de quelque chose. Ceci dit, merci d'avoir vu cette nouvelle vidéo et je vous dis sans plus depuis Monde Mystérieux, le monde de mystère ne demande qu'à être connu et qu'à être dévoilé. Merci à tous, à bientôt dans Monde Mystérieux. À bientôt.